flot, hein, si elle passe, que personne ne bouge pour trouver des solutions, hein. Fatou, 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 debout, ma fille, on n'est pas sur la paillasse à attendre que les mangues nous tombent toutes crues dans la bouche, hein. Bon, famille Boismou, ah, il y a du courrier pour vous, hein. C'est de la préfecture, peut-être des bonnes nouvelles, un billet d'avion pour des vacances au bled. D'ailleurs, je préviens tout le monde, hein. On va faire tout ce qu'on pourra pour que vous puissiez tous bientôt rentrer chez vous. Oui, non, mais je veux dire dans votre pays. Ah, vous comptez rester? Ah, vous êtes français? Oui, non, mais excusez-moi, c'est pas vraiment écrit sur votre visage, hein, que vous êtes français. Non, non, c'est juste que moi, j'ai une certaine idée de la France. C'est comme, je sais pas, moi, vous me dites des parents, je pense un papa, une maman, un couple normal, quoi. Vous ne me connaissez pas encore. Je me présente. Je suis Sophie Aurélie Chambon de la Souche. C'est moi qui m'occupe des œuvres paroissiales de Notre-Dame, de la Bonté Divine, de la Douceur du Jésus-Christ, Roi des Cieux. Voilà. Alors, je sais, on a un peu une image de nous, catho, catho, tradi, messe en latin et compagnie, mais on est hyper open. Cela dit, on est quand même dans la maison du petit Jésus. Donc on va faire un petit peu l'effort de le connaître et de le respecter. Hmm? Qui n'est pas baptisé? Ouh. Qui n'est pas marié? Oh là là. Bon, ben y a du boulot, hein. Je vous rassure. Le père François et le père Hofstetter vont procéder au baptême et au mariage systématique à partir de 9h, d'accord? Les enfants, approchez, approchez, approchez. Jean-Baptiste, notre chef scout diplômé de l'Institut Civitas va vous raconter la merveilleuse histoire de notre église en Amérique du Sud au 15e siècle. Vous allez voir que dans Pocahontas, on ne vous dit pas toute la vérité, hein. Oh, attendez, qu'est-ce que tu es mignon, toi. Oh, laisse-moi te regarder. Ça, c'est les enfants noirs. Oh, ils sont tellement mignons, là, avec son gros bidon en chocolat, hein. Ouh. C'est comme les petits chinois, hein, tellement mignons. Jusque vers 6 ans, hein, et puis après, bon, hein, vous êtes de quel coin, vous? Centrafrique. Oh, et vous? Darfour. Rwanda. Que des beaux pays, hein. Et très chaud, hein. Quand je pense comme vous avez froid chez nous, ça me fait de la peine pour vous, hein, vraiment. Non! Gérard, Gérard, s'il vous plaît. Non, mais... les bénitiers ne sont pas des urinoirs. Enfin, tout de même, je sais que vous avez vidé la cave hier soir avec le père François, mais enfin, ce n'est pas une raison, hein. Moi, je respecte tout le monde et toutes les religions. Vous êtes quoi, vous, par exemple, madame? Musulmane. Quelle belle religion. J'ai pas lu votre machin, là, le bouquin, là. Mais il paraît qu'à l'origine, c'est une religion d'amour, de tolérance, de paix. Un peu comme la nôtre. En moins bien, mais... Et vous, vous êtes quoi? Bouddhiste. Quelle belle religion! Le Dalai Lama, c'est un type épatant, hein! On a du mal à savoir quel âge il a, cet homme-là, hein! C'est fou, ça, les Asiatiques, ça ne vieillit pas, hein. C'est rageant, tout de même! Et vous, vous êtes juif polonais. Mais, il y a des juifs pauvres? Ah non, mais écoutez, non, mais c'est fou, ça, quand même! Et non, mais pas du tout, mais ça me fait plaisir de rencontrer un juif pauvre, hein! Oh, vraiment, vous êtes le soleil de ma journée! Mais vous avez parfaitement raison, Jésus lui-même était très pauvre. Et très juif, oui, tout à fait. Quelle belle religion! Et vous, vous êtes catholique. Ah! Roumain. Ah! Je vous préviens, hein, le père Hofstetter surveille les troncs, hein! Non, pas les troncs, le... les troncs pour mettre les offrandes, hein. Oui, oui, on vous a à l'œil, hein. Vous êtes des malins, hein, vous les gens de l'Est, hein. C'est vraiment dommage que vous mettiez pas ça à profit dans vos pays, hein. Pardon, Gérard. Non, mais allez-y, je suis prête à tout entendre. Je suis une grosse poufiasse rétrograde coincée du... Non, mais je... Voilà, vous, le juif pauvre, ta gueule, hein. Vous croyez que c'est facile pour nous d'essayer de sauver vos âmes des flammes de l'enfer? Non, parce qu'on n'est pas aidés, franchement, hein. Entre l'avortement, la pilule, le préservatif, le Pax, maintenant le mariage pour les gays, bientôt l'adoption, hein. Les fémènes qui se baladent à moitié à poil, les terroristes en burqa, les mosquées qui pullulent, le complot judéo-maçonnique, les spectacles blasphématoires, tous ces fornicateurs dégénérés, hérétiques, bolcheviques, sodomites contre nature, parce que chez nous, tout le monde est normal et parfaitement équilibré.
Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez? Vraiment? Vous croyez que ça... Comme ça, vous... Oh mon Dieu, ça descend! Oh! Oh, je le sens qui descend! Oh! 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 Oh mon Dieu! Oh! C'est une petite fille! Il fait tellement froid! Vous êtes sûr, monsieur Boismou? Mais c'est votre chèche! Oh, merci! Pour sa tête, votre kippa, c'est tellement gentil! Oh non, Fatou, si vous me donnez votre boubou, vous allez geler! Par contre, je veux bien un petit coup de jaja, merci Gérard! Elle portera le prénom de sa marraine. Fatou, chambon de la souche. Merci Seigneur! C'était Antonia dans On ne demande qu'à en rire. Oui, soufflez bien la bougie, c'était son 7e passage. Et encore une fois, elle a accouché d'un petit bijou. Alors vous, Antonia, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous jouez à Lyon et que c'est complet. Donc oui, on ne peut plus aller vous voir sur scène à Lyon. Mais la bonne, c'est qu'on va bientôt pouvoir venir vous voir à Paris à partir du 26 mars prochain, c'est ça? 3 mardis. Ça voilà. Sera où? Au Théâtre des Béliers, dans le 18e arrondissement. Théâtre des Béliers, dans le 18e, à partir du 26 mars. Le rendez-vous est pris. Michel Bernier, quelle est votre note? 18, ouais. Si. Laurent Ruquier, 17. Catherine Barma, c'est un 18. Et enfin, Jean-Benguigui, c'est un 17. Merci. Abonnez-vous en cliquant ici.